Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons voir une petite astuce et on va toujours parler d'Android 9.0 avec notre Bixby, le fameux Bixby qui nous fait pas mal de choses sur le Galaxy S8, S9, S10, Note 9 et Note 8. En fait, ce petit Bixby va nous permettre de nous connecter à notre Chromecast simplement à la voix. Ça, c'est génial puisqu'on va pouvoir regardez, écoutez par exemple un livre audio simplement en demandant à notre Bixby. Donc comme d'habitude, soit on utilise la phrase clé, soit on utilise le bouton Bixby. Ici, on s'est mis sur la bonne chaîne. Donc on est sur la chaîne HDMI 1 où est branché notre Chromecast. Donc on a ici une belle image de Chromecast qui change au fur et à mesure. Donc maintenant, je vais demander à mon Bixby de se connecter à ma télé. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vision High Tech pour continuer à m'encourager et continuer à suivre tous ces tutos et démos. Allez, c'est parti pour la vidéo, la connexion vocale sur Chromecast et Bixby et la lecture de fichiers audio sur YouTube à partir du Chromecast. On va tout de suite demander à notre Bixby de se connecter à notre télé. Alors pour faire cette expérience, il vous faut bien sûr le Bixby, il vous faut un Chromecast ou une télé compatible Chromecast. Connecté à la télé. Smart View, affichage des éléments 1 à 3 sur 3. On peut ici s'apercevoir sur l'écran que Smart View vient de se lancer. Il a détecté différents Chromecast ou différents éléments où on va pouvoir se connecter à la télé. Ici, sélectionnez où vous souhaitez afficher l'écran de votre téléphone. Les appareils Screen Mirroring et Chromecast à proximité seront affichés dans la liste ci-dessous. On va continuer à aller sur Appareils disponibles. Salon 2. Répliquer l'écran dans la liste. Trois éléments. Ceci va nous permettre de répliquer l'écran de notre smartphone sur notre télé sans difficulté, simplement le demandant à Bixby. Alors, on va tout de suite le mettre. Voilà, donc ici, on peut s'apercevoir que notre écran de smartphone a été répliqué sur notre télé. L'écran prend l'intégralité de la télé. Et maintenant, je peux par exemple demander à mon Bixby d'écouter un livre audio sur YouTube et ceci passera par le home cinéma de ma télé. Exemple, Hi Bixby, écouter un livre audio sur YouTube. Audiolib présente Sapiens, une brève histoire de l'humanité, de Yuval Noah Harari, lu par Philippe Sollier. Première partie, la révolution cognitive. Deuxième partie. On peut lancer un livre audio à partir de YouTube grâce à Bixby vocalement. C'est tout simple. On peut lancer n'importe quelle vidéo, avoir la réplique exacte de notre smartphone sur notre télé directement à la voix grâce à Bixby. Et donc avoir accès à toutes les fonctionnalités que nous offre notre smartphone en réplique totale sur notre téléviseur. Ça, c'est vraiment génial. Grâce au Chromecast, à votre smartphone, Bixby aujourd'hui nous lance directement la réplique sur notre téléviseur et on peut profiter du home cinéma ainsi que toutes les fonctionnalités. Et maintenant, on peut, si on le désire, déconnecter la télé. Ok, je le déconnecte. Et instantanément, on revient sur notre téléviseur avec les images ou l'émission en cours. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à partager comme d'habitude et pensez bien à vous abonner à Vision High Tech. Merci à tous d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo et on se dit à très vite pour une prochaine. Salut à tous!